Oui, bonne journée, voici dans Wing Mound sur UAVR de Monsieur Predog. Et là maintenant, c'est bien, au moins je suis en Open VR, donc j'ai droit à MSI Afterburner qui fonctionne, parce que sinon il s'affiche pas en Open XR sur le moniteur. Et du coup, je peux suivre moi mon framerate avec FPS VR affiché dans le casque. Il est déjà 15h34, c'est depuis 15h en fait que j'essayais déjà de refaire fonctionner le Zelda qui ne peut fonctionner autrement qu'en debug mode. Dans le casque VR, mais pas sur sur l'écran du moniteur. Et nous voici donc dans Wing Mound. Alors là, on avait la problématique de quelle est la logique des développeurs. High quality water, on, off. Là, je vois pas la différence en fait sur le ruisseau. Donc là, à votre avis, c'est bon? Oui, je pense que c'est bon, puisqu'en fait, on a le on, off. On a le petit bitonio, hop, le jumper, le cavalier. Qui masque en fait on, donc je pense que c'est activé. Bon, on espère. Maximum FPS non limité, résolution, le champ de vision, blablabla. Maximum pour les ondes, post-processing high ou ultra. A voir. Ultra FXRA, medium volumétrique fog, oulala, on met à fond. Hein. Ça rigole plus. Apply. Pourquoi je peux pas avoir accès à ça? Il faut que je le fasse en fait en 2D. Si j'appuie sur A, il se passe quoi? D'accord, il y a ça qui bouge. Ah oui, parce que je devrais pouvoir bouger l'onglet qui est là. Mais je ne peux pas. Bon, bah alors donc du coup, on est en high. On fait appliquer. Voilà. Tac. Et c'est bon. Contrôleur, donc qu'est-ce qu'on a? Action, objet suivant, apparemment là une action bar, je sais pas ce que c'est, pareil aussi, action bar. Ok, stab, donc on va pouvoir taper ou poignarder, alors sweep, qu'est-ce que ça doit être esquivé? Non, dodge c'est là, esquivé, donc swipe, je sais pas ce que c'est. Target, ok, X, simple attack, bon bah voilà. New game, c'est parti. Wing Mound. On va se mettre en master. Étant donné qu'on débute. Et que j'ai fait uniquement la démo. Alors. As during a solar eclipse in crepuscular times, okay. No one could see the light of a safe and happy life. This was true even for Vic. Voilà, c'était une très belle histoire. Je pense que vous avez apprécié. Le menu, pas celui-là, mais celui-ci, option, language, gameplay and sound. Alors, est-ce que ça existe, le Frenchie, là-dedans? Ouais, mais c'est relou, en fait, d'avoir, en fait, une manette qui prend pas compte toutes les... On est là, ok. Caméra, en musique, sound volume, non, volume. Oh là. Ben non, apparemment tout est en anglais. Ben voilà. Donc si vous êtes anglophobe ou que vous n'avez été jamais scolarisé de votre vie, eh bien voilà, vous pouvez pas jouer à ce jeu-là. C'est court. Cool. Mais tant pis pour vous. Alors, B c'est quoi? Ah, c'est donner un coup de poing, sweep. C'est pareil, Y, c'est pareil, stab. Attaque normale. Étant donné qu'on n'a pas d'équipement, manger les pommes. X. Alors, bouton gauche, gâchette gauche. Pourquoi est-ce que ça clignote si je peux rien faire avec? Alors, pourquoi est-ce que j'ai pu reculer? Voilà. Alors, on recommence. Y. Ça fait rien. B. Ça fait rien. X, ça fait ça. Et A, c'est donc reculer. Donc, qui était une attaque normale, ça. Alors on va à la maison et on va s'occuper peut-être de autre chose qu'une carotte à un coffre, les amis. Ok, bouton, ouvrir coffre. Est-ce que tu sais ouvrir un coffre, mon garçon? Non, tu as l'air gravement en fait handicapé, donc tu n'as pas de main, tu n'as pas de bras, tout est factice. Ok, génial. Bon. Il me semble que dans la démo, il faut que je me débarrasse. Mais il y avait un arc. Dans la démo, j'avais un arc.
quelque part. Ah, mais il est là. Alors, du coup, il est d'accord pour que je le prenne. Allez, en surbrillance. Non, mais tu vas attraper un truc, espèce de demeuré, là. Ah, avec la croix. Avec les touches, en fait, de directionnelles, non pas du stick. J'ai pu attraper un arc. Formidable. Du coup, si je veux m'équiper... rien, donc faut que j'aille dans l'inventaire. Oh, j'ai mon arc. Qu'est-ce que je suis content. Raté, le... Raté. Bah, décidément, les sangliers vont avoir... de la chance, parce que là... Oh, mais c'est pas possible. Tu vas arrêter de faire chier. Je vais te faire n'importe quoi. Allez, cours, Forest. Mais où est-ce qu'il les envoie, ces flèches débiles? Attention les poulets, on a un ennemi derrière nous, là. Un ennemi dans les 6 heures. Oh là, maintenant il tire sur le second sanglier. Est-ce que je peux sauter? Ah, roulez-boulet. Roulez-boulet. Est-ce qu'il y a une jauge d'endurance? Ouais, il y en a une en plus. Pas de bol. Vite, nous allons les narguer, les moulins. Saute par-dessus la clôture, tu ne peux pas. Quel dommage. J'ai l'impression que j'ai mangé des pommes après moi, sinon je suis mal. Hein. Oh, un sanglier qui avait une bourse. Oh, mais il va falloir que je trouve la tanière en fait de ces sangliers. Oh, ça pourrait être plus dangereux, enfin. Mais si j'ai une bonne arme sous la main, je me rappelle que Rydeon m'avait dit, m'avait raconté à propos de la vieille maison au-delà de la rivière ou de l'autre côté de la rivière, un jour tu aurais besoin d'armes. Eh bien, tu pourras aller les équiper, tu pourras t'équiper là-bas, mon petit pote, quand le temps viendra. Ah oui, donc il y a une baraque de l'autre côté. Ah, c'est ça le truc détruit là? Bah non. Et donc, en fait, dans le sous-sol, il y aurait de la maison qui a été carbonisée. Je devrais avoir de... Ah, mais j'ai toujours la clé, sauf que j'ai pas fait gaffe où j'avais la clé. Et puis, à mon avis, c'est pas le genre de jeu à répéter des informations, quoi. Ah, ok. Alors, si comment je ramasse ça? Avec la croix, encore? Ouais, avec la croix. Oh, les boutons ne servent pas à ramasser. Alors là, on a des lucioles dans le champ, c'est quoi? Là, il peut pas passer? Non, c'est trop. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Bon, ben voilà. Donc la maison qui est de l'autre côté de la rivière, qui a cramé. Oh, on va manger des œufs, non? Ouais, je peux. Non, mais ramasse. Ramasse l'œuf, petit. Fais un effort, utilise tes mains. Peut-être qu'il faut que je... Ah si, ça y est, c'était direction droit. Voilà, c'est ça. Waouh. Alors, il y avait des pommes. Ma barre de vie, elle est pas à fond, non? Peut-être qu'elle remonte toute seule. Ok, je ramasse les pommes, mais je les mange pas. C'est trop fort, là. Il faut que je baisse le son, parce que je deviens sourd. Oh, purée. Game difficulty, je m'en tape le son. Alors, music volume, voilà, on va baisser la musique si on peut. Oh, c'est une galère. Bon, souris encore, hein, parce que... Ouh là là. La souris, voilà, music, parfait. Oh, c'est parti. Même les bruitages, ils sont forts. Ouais. Les oiseaux m'ont sympathiquement cassé les tympans. Alors, inventaire, là je fais ça. Alors, 18 pièces d'or. Ah, là par contre, ça ne me donne pas effectivement de la vie, mais par contre, ça oui. Alors. Oh, un simple clic sur le bouton A, et cela m'a fait regagner de la vie. Mais ça ne la fait pas regagner instantanément, apparemment, ça prend du temps. On va récupérer tout ça, parce que sinon... Alors là, il a fallu que j'appuie sur le bas. C'est quoi ça? C'est du lait ou alors c'est... Non, c'est de la bière. Et là, il faut que j'appuie sur droit. Ok, bon, on va prendre ça. Parce que
ça pourrait nous servir. Parce qu'on est un Sangoku local, il faut qu'on mange toutes les 5 minutes et 15 tonnes de bouffe de préférence. Alors, est-ce que c'était ça la maison qui a brûlé? Parce que là, il n'y a pas trace de maison. Hein. Oh, une petite bague. Non, qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, vous venez de trouver ça, c'est une urne. Ah, d'accord, oui. Oui, en effet, c'est une urne. Je suis 100%. Ah, mais il y a bien un anneau, je peux pas arriver quand même. Donc, en fait, il le redépose ou alors. J'ai bien peur que c'est ça. Non. Donc là, il faut que j'aille dans mon inventaire. Alors, si je clique ici, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il m'a. Incroyable. Ça a été automatique. Plus de protection, donc d'armure. Un loup. Nous poussons. I need a medicine level. Je suis nul. Je ne connais rien. Je ne suis pas herboriste. Oh merde. Oh là 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 là. Alors tu vas attaquer le loup là? Même pas. Il peut pas. Il faut être en fait à son niveau. Oh la vache. Voilà, merci. On s'est pareil. Ah, c'est là-bas en fait, la baraque a cramé. Nous avons mis les cotons. Et le pantalon. Allez, on va courir. Vas-y, bébé. Ah bah c'est pas une maison, c'est une tombe. Bon, elle est où la baraque là? Là, c'est mignon tout plein. Puis il y a de ces ambiances naturelles. Si vous aimez les oiseaux, vous allez être comblé. Si vous empêche de dormir dans la ville, vous allez les détester. Et les oiseaux aussi. Ouais. Bon, elle est où la baraque cramée là? C'est là-bas? Non, c'est un pont. Non mais vous les avez planqués où là les... Non c'est là, à droite là. Arrête d'envoyer tes flèches partout, débile. Oh purée. C'est le mec qui va sauver en fait apparemment le monde. Hein. Il n'est pas capable de tirer droit, de viser droit. Oh la vache. Il y a des carnivores tout autour là, c'est pas bon. Et elle est... Oh, ma flèche, elle le touche au moins, ouais. Ah, bah il m'a rien donné. C'est un loup, c'est le plus pauvre de la bande. Ah, cette fois il m'attaque, non? Waouh. Le manchot. Enfin, c'est pas difficile, c'est juste que c'est un petit peu délicat pour les contrôles. Parce qu'apparemment, il gère pas la diagonale. Oh, bah regardez-moi ça. On laisse en fait de magnifiques joyaux. Un carré divisé en 4, donc un quart de joyaux. Et une rune à l'intérieur. Oh mon dieu! Ah, j'ai découvert d'autres statues identiques, il va falloir que j'aille les retrouver pour reconstituer les trois morceaux qui me manquent. Tiens, on a enterré quelqu'un récemment, c'est formidable. Qui était-ce? Bon, on ne saura pas. Alors là, on a quoi, les vases? Bon, elle est où quand même? C'est pas très grand, hein, comme vous pouvez le voir, mais je vois pas où est cette baraque qui a cramé. Au-delà de la rivière. Ah mais là-bas on a une autre... Un autre menhir, une autre pierre avec une rune. Vas-y là. Est-ce que je peux verrouiller l'ennemi? Je crois pas. Ah, mais là il est d'accord pour tirer en diagonale. Et pas trop bas ni trop haut. Voilà mon petit dodo.
Ah, oh, faut que je coupe ça, parce que là, ils sont en train de me rendre sourd, les piafs. Est-ce que ça va fonctionner? Ah, oh, mais je suis pas où il faut, c'est là. On va utiliser que les croix, que les... Ah, oh, mais ça me fait remonter quand je suis en bas. Doucement. Tout doucement. Ambiant. Voilà. Hop. Ah bah oui, bon, eh, la souris, encore une fois, là, parce que ça me... Oh, oh merde. Voilà. Ouais, bah je suis mitigé là en fait sur le résultat. Les cours, Forest. Et prends la rune. Je n'en suis pas certain, mais il me semble qu'il y en a quatre. Il y a quatre morceaux. Il y en a un là-haut, non? Encore un loup. Tant qu'il m'attaque pas, j'ai même pas l'impression en fait que je... Ah si. Que je peux le toucher. Oh, une tente. Il y a en fait 10 milliards d'habitants en fait, qui habitent juste à côté de chez moi. Je les ai jamais vus. Intéressant. Oh. Ce feu n'a pas été préparé il y a très longtemps. Les cendres crust sont encore... C'est bizarre. Je vois pas comment je pourrais traduire ça. Fraîche. Et pourtant personne en fait ne sait... Ah non, apparemment ça fait pas si longtemps que hein, mais en fait les cendres sont froides, on va dire, alors. Et personne en fait ne s'est reposé dans cette tente depuis un bail. Peut-être je devrais en fait qui se trouver ici l'année dernière, tu rigoles quoi. J'ai entendu parler d'un lieu abandonné. Mais c'est une blague, quel rapport en fait aller visiter un truc à l'autre bout de la carte, je sais pas où. Oui, le Saint Graal. Oui, c'est something that I would like to find, it is not true, it's a strange name, Indiana Fur, I have a sentence. Never was afraid, it's something incomplete, north. Ouais, maintenant il faut aller au nord, c'était au sud. Pour trouver un endroit abandonné. Où j'aurais en fait une quelconque raison de trouver... Oh, de la connaissance, non? Ah bon? J'ai décidé en fait d'apprendre en fait l'art de la survie. Ok, si vous le dites. Ok, bon, on va les collectionner, hein, ou les collecter plutôt, toutes ces magnifiques recettes. Comment survivre par Maïté? Oh là là, si vous avez en fait le niveau requis, vous pourrez en fait tuer des poulets, des crabes, ou des lapins. Ils pourront être chassés. Même chose pour la pêche. Ben voilà, c'est merveilleux, on va pouvoir faire... Oh là là! On va devenir un adepte de la pêche. Et j'ai pas de pioche. Et voilà. Et voilà, voilà. Pas de pioche, c'est pas de bol. Mais par contre, là, j'ai une pelle. Waouh, je vais pouvoir aller creuser la tombe. Enfin, peut-être, c'était peut-être pas une tombe, mais un trésor. Without a handle. Ah, bah j'ai besoin de me faire un manche. Oh, j'ai des manches à la maison parce que je les collectionne. Oh, en plus, il y en a plusieurs, en fait, hein, de toutes les tailles. Donc, en fait, je vais pouvoir m'amuser à creuser avec une pelle le jeu d'aventure. Je fais des trucs de fou. Et la seule chose, en fait, qui m'incombe pour le moment, c'est de trouver quelle est la maison qui était après la rivière ou de l'autre côté de la rivière, la maison qui a brûlé, pour y trouver un équipement et me défendre. Et le jeu, il a pas l'air pressé de me le donner. Et encore une fois, c'est vachement trop fort au niveau du son. Bon, on se casse pas la tête, hein. On a renoncé.
Boum 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 boum, le son. Music volume, voilà. J'espère que c'est validé parce que si je fais B à chaque fois et que ça valide pas. Alors, où sont tes manches, mon ami? Oh, on a une clé, la clé de la maison. Elle est... Par contre, je fais comment pour sauter? Tech roll. Ouais, on prend tout, hein. Et comment je fais pour avoir la clé? C'est sérieux? Comment je vais faire? Attraper la clé, elle est trop haute. Oh, mais c'est une blague. Ah, là, ah, mais non, c'est la direction de l'objet. On utilise le panneau directionnel ou les flèches directionnelles en fonction de l'objet qu'on veut prendre. Waouh! Mais j'y arrive pas. Donc double clic. A, ça fait ça. Y, ça fait ça. Donc c'est en surbrillance, mais il veut pas la prendre. Elle est trop grosse, vous voyez, c'est une clé en fait de géant. Oh, mais là, les gâchettes et les boutons font que dalle. Le stick droit il fait rien. Stick gauche ce sera pareil. Donc je fais ça et je fais vers le bas. Vers la droite maintenant. Oh là là, faut donner une direction et son opposé. Alors c'est pareil pour le coffre. Oh oui, il faut utiliser la flèche. Alors là j'ai un manche. Sauf que. Bon, bah voilà. Je sais pas où il a planqué ses manches, le mec, mais... Ah, une... Oh là là, vite, une hache. On va pouvoir couper du bois. Ah, c'est là, les manches? Non, c'est différents outils. Alors, the archaeology shovel can be used. Archéologique. Waouh. On a des différents types de pelles. On est spécialiste en pelles. Ok, mais archéologie shovel, right click to use. Super, donc si je me rappelle bien, il y avait un truc là-haut. Bon, ça devrait pouvoir tourner à 90, j'imagine, je referai un test plus tard. Archéologie cheval. Donc là automatiquement il fait rien du tout. Alors quand la musique s'arrête c'est très calme quand même. Hein. On a juste en fait là. Ouais, regardez-moi ça. Et on a trouvé quoi? Alors on ferme le menu et on a trouvé. Ah, on sait pas. On a trouvé des machins. Bon bah on a trouvé. Quoi? On ne saura pas. Bon, on est déjà de nuit là, ça commence à craindre, on va très certainement rencontrer de terribles créatures. Donc là, c'est une ancienne baliste. C'est formidable. Donc, je recherche la maison. Oh, j'aurais dû pêcher parce que sinon il va m'emmerder, je pense. Allez, cours. L'effet est sympa au niveau de la réflexion de la lune, de la lumière de la lune sur l'eau. Ça nous a aveuglé. Alors, est-ce que je peux utiliser ma grosse canne à pêche? Où es-tu, canne à pêche? Tu es là. Voilà. Oh yes. Alors, comment on fait? Press X to quickly pull the fish towards you. On y pull when the fish was caught. Okay. Ça y est? Ok. Formidable. J'ai rien attrapé. Je suis en manche. Il fallait peut-être un appât quand même. Hein. Et ils sont là en plus. C'est-à-dire que là j'ai un. Ah si si si, il y a du monde là. Ils sont en dessous. Ça y est. Bon, on va le faire. On sait jamais. Allez. Ah ouais, bah oui, forcément. Ouais. Tu vas tirer des flèches. Alors que je me pêchais. Oh, quelle chiasse. Bon, on va aller plus loin et on va essayer de trouver cette fameuse maison qui a brûlé. Et dont le sous-sol regorgerait d'équipements.
Oh purée, mais vas-y, vise encore plus mal que ça si tu peux. Oh purée, le cerf. Ouh, j'ai quand même réussi à toucher. Donc le jeu consiste pour le moment à tirer des flèches un peu au hasard et à faire des roulés-boulés pour esquiver nos amis les loups. Coucou, je te tire dessus mais je rate. Oh, ça y est, non. Jusqu'au bout, on a encore, attends, mais il y a tellement de loups, hein, c'est étonnant qu'en fait un être humain ait pu survivre dans le coin. Oh là 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 là. Il n'y a plus même fabriquer et construire son domicile. Allez, vas-y. Oh bah c'était bien. Maintenant qu'ils ont des dents émoussées, hein, et des griffes aussi pas très aiguisées, parce que sinon... Regardez, mais qu'est-ce qu'il fout à tirer comme ça, là? Ouais, il a planté une flèche dans le dos, quoi. Oh là là... Donnez-moi une épée, là, parce que c'est l'arc qui commence à devenir gavant. Mais vas-y, il est juste devant toi, espèce de crétin. Oh mais là là là, mais tourne-toi, grosse bouse là. Aventurier du dimanche, mais juste matin, même pas l'après-midi. Hein. Je crois que je l'ai tapé à 2€ ce jeu. Une fiole. Bon, bah si vous le dites. Ah, voilà mes amis. Là par contre je peux vous toucher, pourquoi? Bon c'est bon là, vous allez mourir ou quoi là? Purée. Mortal combo. Oh mais purée, mais c'est pas possible ça. Mais arrête d'être débile, tu vois bien qu'il est juste en face de toi. Oh purée. Bon, on va se restaurer parce qu'on va mourir avec ce manchot là. Alors est-ce qu'une pomme ça fait des miracles? Ah, en plus ça met du temps pour tous les aliments, d'accord. Oh, la bière en fait ça vous redonne en fait un boost de récupération d'énergie, c'est formidable, c'est une pomme de terre. Alors elle, ça n'a aucune faculté de... de soin. Ah ouais. Bon, ça va être un petit peu cru peut-être. Hein. Voilà. Ça c'est la tanière en fait des loups, mais c'est pas la tanière en fait des sangliers. Ouais, bon vas-y, je suis fatigué, j'en ai un peu marre, je veux même pas esquiver. Oh la vache, au secours, un cauchemar. Bon, cette fois. Non mais attends, il me dit en fait voler. Sauf qu'en fait c'est des sacs vides. Oh bah là maintenant cette fois j'ai quelque chose. Des épices. Et le pire c'est qu'il y en a encore un autre. Hein. Puisque la fiole est encore là. Non mais tu t'as pas de niveau pour ramasser une fiole si... Ah maintenant c'est gauche, ok. Oh, mais non, il me fait rentrer dedans. Oh merde. Oh purée, j'ai pas demandé ça moi monsieur, je vous assure, je veux juste ramasser une fiole à l'entrée. Oui ça te fait plaisir, tu prends en fait le cuir, là tu pourras te faire un... Ah bah oui, bien sûr. Notre personnage devient trop balèze, en fait il peut... Mais c'est pas possible de pouvoir verrouiller, merde. Commande. Keybinding, contrôleur, stab, bah non on peut pas en fait, on n'a pas de lock, purée.
Alors il est en contrebas, mais voilà, donc il peut pas le toucher. Ouais. Mais quel débile. Cette fois-ci, mais il peut là. Il peut pas tirer droit, il peut que tirer en cloche le mec. Heureusement que j'ai un nombre de flèches illimité parce que vu les talents en fait d'archer du mec. Oh regardez ça. Et maintenant il y a Bernard l'ermite géant en fait comme adversaire ou pas. Oh j'étais comme il faut et du coup bah j'étais dans l'os. Non mais il faut courir parce qu'en fait il peut pas tirer une flèche quand. Tiens. Attends, on va inverser la position. Waouh, là je peux maintenant, non? Ouais. Putain, c'est un truc de ouf. Ok. Un scarabée. Je m'en fous, je prends des gouttes d'eau, je vais te mouiller. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont stocké en fait des barils, les loups. Ils sont formidables. Une fiole vide. C'est parfait pour faire en fait des médicaments. On va parler à Bourla. Incroyable, coup de bol. Il est d'accord pour que je puisse atteindre ce loup. Voilà. Licoris, si tu le dis. Bon, ben voilà, il veut pas parce que je n'ai pas progressé d'un iota. Ouais, non, mais la grotte a fait combien de milliards de kilomètres carrés? Je peux passer? Non, je ne peux pas. Mais le loup non plus. Ah, si. Voilà. Au revoir. Oh, purée. Ah, voilà. Je suis presque mort, j'ai pas fait gaffe. Et alors ça c'était un morceau de métal et ça ce sont des... Oh un collier, ah bah on prend un collier de... Oh, ça doit être des runes parce que si c'est un collier de petites pierres qui me permet de gagner 6 de défense. Ou 6 de protection, voilà, on va appeler ça protection au lieu d'armure. Les loups, les ponts du flair, hein, ils sont vraiment enrhumés. Tout aussi enrhumés que moi. Je ne sens pas la proie, je ne sens pas l'humain. L'humain qui a deux mains gauches. Et qui a remporté le concours de d'art. Oh là là, une magnifique araignée. Vas-y, hop. Ne m'empoisonne pas, je saurais pas comment en fait me soigner, puisque... Sauvegarder. Oh putain, c'est une bonne idée, ça, dis donc. Ah, c'est en automatique ou quoi? Non, mais... Oh, même c'est chiant, cette interface de... Mais qu'est-ce que c'est que ce... Ok, voilà. Override. Oh là là. Ah, ah oui, là, il y a beaucoup de monde. Donc, les loups et les araignées vivent en... En bonne harmonie dans cette grotte. Ah, une petite araignée, mais rien qu'ouvrir la taille de la petite, ça me serait fatal. La première injection de substance. Ah, empoisonnée. Non, mais attendez là. Oh là 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 là. Cours, 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 cours. Cours, mon petit pépère. Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère, moi? Si vous êtes allergique aux arachnides, ça va le faire. Hein. Parce que c'est franchement plus flippant que les avoir en vue subjective. Elles ont davantage de volume. Et puis dans leur déplacement, elles sont tellement rapides. Oh mais arrête de tirer, je te demande de faire un roulé-boulet, pipi. Oh là là, quoi. Ouais, rate bien, fais comme avec les loups. Essaye pas de changer. Ah ah ah, vous êtes stupide.
Et je suis très intelligent. Je peux faire le tour d'un rocher. Oh là là, elles aussi. Hop, roulez-boulez. Une flèche, deux flèches, trois flèches, quatre flèches, cinq flèches. Ah là, j'ai du pot. Je vois pas trop ce qui se passe, mais... Oh mais non, arrête Tarzan, là. Et voilà, ça y est, nous avons remporté cet incroyable challenge. Ah, tiens, on peut en courir comme ça avec son arc dans le dos. Si c'est pas merveilleux, une source, des poissons, un coffre. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Oui, une épaulière. Et un parchemin. Un trou de filette. C'est quoi? C'est pour faire de la cuisine? Récroyeur Survival niveau 5. Alors, mangeaille, le pain, plus 2 par seconde, 0,8 par seconde. Ah non, d'accord, en fait, tout est rien n'est immédiat, et là ça ira plus vite. Ok, bon. Ah bah oui, on prend. Bah non, pour l'instant j'ai pas d'épée, donc. Ah mais j'ai le hache peut-être. Un dégât. Et l'épaulière est où? Waouh, on la voit sur le personnage, c'est carrément ouf. Eh oui, si vous voulez vendre des os, vous pouvez, des ossements. Alors j'ai une queue de loup, je suis content. Ok, bonjour. Ouais, mais faut tirer sur la même, celle qui est en fait la plus proche et qui est en train de te taquiner les jambes, là. Avec ses petits crochets et ses petites papates. Non, mais arrête de faire ton tir de merde, là. Dès que tu fais ton roulé-boulet en sens opposé. J'aime pas mal, j'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des araignées. Ah, ça y est, j'ai gagné un niveau. Félicitations à vous. Vous avez gagné un niveau. Et du coup, en fait, ça me permet de faire quoi? Inventaire, général, stat. Non mais... Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'avec au moins avec le paddle, je peux... Alors, monter. Donc je suis où là? Ah, je suis dans le panneau, ouais. Général. Unstuck. C'est verrouillé. Et ben, unstuck. Alors, force, ouais, ça, constitution, dégâts, ouais, mais non, vers le bas, ok. Stat, énergie, speed, personnage niveau 2, 1650 d'XP, vache, vu le temps que j'ai mis pour niveau 1. Alors, force, et j'ai combien de points attribués? Un seul? Mais il est où? Mmh. Où sont les points suivants? Alors, Grace. Grâce. Ah, il danse apparemment, le monsieur. Endurance, superbe. Dextérité. Donc, non, j'en avais qu'un point par niveau. Bon, bah voilà. Non, ça va chier, je suis super malaise. Allez, viens là, toi. J'ai pas fait attention si je faisais un point à chaque fois ou si c'est exactement les mêmes dégâts. Intensité au niveau des dégâts. Après, c'est une bonne grotte là, si vous voulez vous reposer, je pense que c'est l'endroit. Vu le nombre de cocons là. Ça m'a l'air bien. Ah, la dernière. Et nous avons une barrique. Peut-être que je peux tirer plus loin. Oh non, maintenant on a une toile. Oh, un passage souterrain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du sel. Des haillons. Des œufs. Formidable. Voilà. Non,
Un œuf. Oh, oh, un pantalon. Oh, il a l'air fière allure avec ça. Un pantalon de cuir, plus ça en endurance. Mais par contre, ça m'alourdit. Ou alors, en fait, c'est des capacités d'emport. Ouvrir. Regardez. Oh, de l'argent. Et dans la souche, ici, il y a un truc. Non. De toute façon, on peut pas y aller, j'ai l'impression. Je peux m'accroupir, non. Ah, génial, l'école est faite transparente, sympa. Oh, la Bible d'époque. Alors, comme ça, vous avez décidé, en fait, d'améliorer votre armure par vous-même. Mais vous êtes trop fort. Eh bien, il va falloir, par contre, énormément de patience et d'habileté et de compétences, plutôt. Ainsi, pour fabriquer, rassembler, en fait, différents... mining, en plus. D'accord. Oui, donc, il faut récolter des minerais. Et on collectait, on ramassait sur vos ennemis. Vous serez très certainement vraiment bien récompensé par vos efforts en fait de pillage. Alors, durant votre périple, vous pourrez rencontrer vous pourrez trouver tout simplement des plans pour fabriquer des machins. Hein, ils vous apprendront à. Voilà, c'est ça, à fabriquer des objets. Surtout n'en manquer aucun. Donc, pour récolter du minerai, il vous faut une pioche. Make sure to keep it well. Apparemment, keep it well. Ça voudrait donc dire en fait qu'il faudrait qu'elle va s'user. Alors, si vous rencontrez en effet un filon, vous pourrez. Si vous rencontrez un filon, rappelez-vous où il se trouvait, parce que en fait le jeu il vous le dira pas, il ne marquera pas sur la carte, il va falloir le mémoriser. Waouh! Et après il se régénère, oui, il réapparaît. Je refonds le plein. Alors, passer de niveau. Assembler suffisamment de minerais. Et confectionner des armures ou alors en fait d'amélioration et des joyaux feront que votre niveau grimpera. Super, des recettes, gnagnagna, j'ai pas lu quoi recette. Oh, the higher level the recipe, the higher the chance to level up. Waouh, ah ouais, en plus c'est même pas assuré quoi. Recipes will no longer reward you, hein, Vernon. Ah d'accord, si elles sont d'un niveau inférieur, j'aurais absolument aucun intérêt à continuer en fait à utiliser ces recettes ou ces formules. Ah oui, il me faut un établi. Donc on a, par contre, certaines auront besoin d'une forge et d'autres auront besoin d'une enclume. Ok. Donc là, j'ai pas de pioche, je pense. Et voilà, j'en avais une à la maison, mais il a pas voulu que je la prenne dans le... Il m'a fait un manche de trucs, là. Non, mais c'est ça que je veux, voilà. Hop. Un manche de pioche, non, de... Un manche de pelle. Oh, regardez-moi ça. Il me faut... Ah, mais donc... Ah, oh, bah, elle est là, la pioche. Ah, mais encore une fois, je me suis trompé de bouton. Oh, purée. Hop, hop. Je peux, oui, c'est automatique grâce à la flèche directionnelle droite. Et du coup, bah, je sais pas ce qu'il m'a donné. Il m'a mis qu'un autre truc, et puis Ah, mais tu vois bien que j'en ai un à côté là. Tan Leather x1 et alors tout ça, je sais pas faire. Ou alors il me manque en fait du. Ah, il me faut du crabe, d'accord. La survie, c'est la bouffe alors. Pourquoi il veut pas que je fasse ça? I am missing an ingredient. Ah d'accord. Donc j'en ai deux et il me faut en fait du quoi?
ça, oui, effectivement. Du cuir machin, ça doit être ça. Où est-ce que je le trouve? Du cuir tanné et du sel. Oh oui, recommençons. Essayons. I cannot do that right now. Oh, là, il me dit que j'aurais... Ah, j'ai eu du sel. Et là, j'ai peut-être du cuir tanné, non? Non? Et non. Donc, c'est très intéressant, mais le problème, si j'ai pas de... de quoi faire du cuir tanné, je fais comment, monsieur? Cuir. Ça, je veux sortir de là. Il veut pas, en fait, hein. Il insiste. Je veux mon inventaire, monsieur. Mon inventaire. Craft, select, back, inventory, right button. Oh purée. Aïe aïe aïe. Donc cuir tanné. Est-ce qu'avec ça je peux faire du cuir tanné? Non. Bon bah. Alors le mort, il y a quelque chose sur lui? Non. Ah ça c'était. Il y avait une. Oui, il y avait une toile d'araignée, mais elle a disparu. Ah oui, il y a une bonne âme qui a fait le ménage. Il a rien avec son plumeau, il a... Hop, putain. Wow, alors... Non, je ne peux pas. Alors, est-ce que si je fais ça... Eh ouais, hop, oh, que c'était beau la physique. C'était sans ironie, hein. Ça semble être un effet assez foireux, mais c'est tout sympathique. De l'acide? Non, de l'eau? Une douche. Vous avez pris votre douche. Voilà. Revigoré. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je peux ramper là-dedans? Ah non. Ah bah oui, c'était la sortie. Mais de l'autre côté de la montagne peut-être. Ah oui, parce que là, il y a des araignées maintenant. Non mais sérieux, vise les araignées, espèce de débile. Bon, courir. Vas-y, Forest, cours. Arrête-toi. Oh, il a réussi à toucher une araignée. Oh, c'est la misère. M'en fous, j'ai encore de la vie. Et puis là, en fait, il préfère en tirer sur celle qui peut pas m'atteindre. C'est bien mieux. Ça y est, t'es morte. Waouh, je sais pas sur quoi il s'est vertu à tirer cet abruti, mais il l'a fait. Hein. Une canne à pêche numéro 2. Un joli tonneau. À l'armoirie de je ne sais trop quoi. Ah, on a encore une pierre là-bas à récupérer. À moins que ce soit en fait. Est-ce qu'il y a un plan? Il n'y a pas une carte? Donc je suis où? On a... Ah, on est tout en bas? Ouais. D'accord. En effet, j'ai déjà récupéré la rune. C'est pas la peine d'y aller. Quoique... Parce que... Attends, j'étais rentré ici, hein? Par ici? Quoique, je sais même pas... J'arrive pas à savoir si c'est un lieu que j'ai déjà visité, parce que je me rappelle pas avoir vu un bâton comme ça. Ah mais c'est pas un bâton, c'est une pioche. Ok. I cannot do that. Do that right now. Et là c'est vide, c'est plein. Non. Donc cet endroit allez. Ok. Donc la carte là. Wow. J'ai pas envie de retenter le coup de la grotte. Alors là, un effet de brume qui est assez joli. Voilà. Sans dire de choses trop enthousiastes à propos de ce machin, voilà, ça reste correct. Du
de l'autre côté de la rivière, il y a une maison qui a brûlé. Dans son sous-sol, tu trouveras de l'équipement. C'est ça la maison? Non, c'est vrai, elle date des rochers. Pardon. Là, on a un facochère. Waouh! Qui est trop loin pour notre incroyable aventurier. Il n'a pas la force nécessaire pour bander son arc et atteindre une cible aussi éloignée. Alors, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton gauche ou gâchette gauche. Ah non, bouton gauche tout simplement. Alors, bon, énergie par seconde. Et ça fait. Il faudrait que je cuisine un petit peu, peut-être. Il n'y a pas de pain, non? On va prendre les pommes alors. Oh, on a une autre rune là. Bonjour. Bonjour. Je vais appeler Astérix et Obélix, attention. 1, 2, 3, partez, merci. Hop. Mais il est où? Ah, il est là. La troisième ou la dernière? Non, the third one, la troisième. Parce que s'il y avait 4 morceaux, fatalement. Hop. Bon, bon, bon. Ah, on a encore un faco. Cher. Il y a quoi là-bas? Oh non, encore un passage souterrain. Oh, les rochers sont super bien rendus avec l'effet de l'eau. Ah, c'est par ici que j'ai commencé ou... En sortant de la grotte, il y avait les araignées, ils ont essayé, non on peut pas. Apparemment c'est pas en surbrillance, donc c'est juste en fait une souche. Sans plus. On va faire comme Man vs Wild, suivez le cours d'eau pour trouver la civilisation. Ah bah non, on n'a pas trouvé la civilisation. Et voilà la dernière. Grâce à cela. Tu auras gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? Vas-y, allez. Laisse-moi ramasser le dernier fragment, s'il te plaît. Voilà. Enfin, j'ai toutes les runes. Mais qu'est-ce donc? Des lettres qui volent autour de moi? C'est un message. Pour ceux qui portent en fait le nom sacré, l'invisible deviendra visible. Bon. Ah voilà. Alors une énergie plus 100 d'énergie. Ah ouais mais c'est ça en fait, il faut que je lise maintenant les potions. Enfin les recettes. Ce qu'ils appellent des recettes, des formules. Mais non je peux pas. Niveau 5. Niveau 6. Bon, on en est loin. Hein. On peut ramasser des trucs pour l'instant gravement inutiles. Vas-y, ouf, voilà, tu as réussi en fait à lui mettre une flèche dans le rectum. J'hésite à revenir en arrière tellement le mec se déplace lentement. Pour me retrouver à la maison. On est ici, fort bien. Bon, on va aller tout droit. Sauf que tout droit. Ah, je peux monter. Tiens, on va grimper. On va voir. C'est un truc intéressant. Ah, ça sent la zone numéro 2. Est-ce que ça s'allume? Non, ça s'allume pas. Bon. Alors, c'est ça la baraque qui a brûlé? Waouh, c'était super loin. Oh, c'était une maison si magnifique. Il ne reste plus que le sous-sol qui n'a pas été... ou qui a été épargné, qui n'a pas été endommagé. Voyons ce que je vais pouvoir y trouver. Le sous-sol, on y accède comment? Elle est là. Non. Que ça, c'est le réflexe du bouton A.
Alors qu'en fait, il faut constamment utiliser... Ah ouais, ça a l'air gigantesque, non? Ah, oui, ah, le mec, il a fait un sacré... Ah oui, c'était une maison, c'était plus une maison, c'était un manoir. Oh, ils sont mignons, les rats. On dirait Moss. Non, plus agressif. On va pas faire la bêtise de... On fait ça dans tous les jeux. Donc, hop, ça, une potion verte, là. Ah, mais j'avais ça. Oh, des sacs, ils sont beaux, ils sont beaux. On trouve des trucs inutiles pour le moment. On est content, on est heureux. Bon, en plus, il faut que j'arrête parce qu'il faudrait que je batch les autres jeux. Sinon, mais c'est quand même assez prenant, hein. Donc, c'est pour ça que je m'y attelle, et puis surtout je veux trouver un équipement avant d'arrêter. M'aime pas mal les rats. Vous pouvez me mordre, vous pouvez me griffer, vous pouvez me filer toutes les maladies possibles. Je m'en sortirai. Ouais, si j'arrive en fait à tirer droit, parce que là... Et puis vu la taille des bestiaux, j'imagine que je me fais déchiqueter rapidos. Oh là là, là je suis presque mort. Non, c'est en temps réel en plus. Quand on a accès au menu. Oh non, 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 la blague. Tire-toi, cours Thérèse, cours, bon sang. Oh là là, je suis presque mort. Remonte. Vite, il veut pas. Il veut pas remonter. Il veut pas remonter, je vais faire baiser. Alors non, heureusement qu'on a... Ah non, j'ai pas trois mains. Non, non, vraiment, quand on ouvre le menu, ça coupe tout. Ah, puis il est tellement relax quand il court... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, j'aurais dû faire des raccourcis là comme on voit dans l'interface. Et là je veux remonter, je peux pas. Voilà, bon bah je me suis fait niquer. Merci. Game over. Tu es content? Il fait des sauvegardes automatiques, j'espère. Oui, 16h31. Ok. Alors, comment faire un raccourci? Comment faire un raccourci? Fiole. Left button, left trigger. Si je fais ça. Non. J'ai peur d'appuyer et qu'il me consomme. Ah, alors, use. Action. Action peut-être. Ou sorte, tout simplement. Ah non, d'accord. C'est juste par. Quest log, profession. On va faire action avec une pomme pour voir. Drop. Waouh, regardez, c'est ça. X. X. Là. Sleep stack. D'accord. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Action bar, par contre. Ah, voilà. Il peut aller dans... Lui, il peut pas aller dans action bar, si. Ok, super. Action bar 2. Voilà. Où est-ce que t'es la pomme? Hein? Action bar 3. Action bar 4. Voilà. Allez hop. Je suis pas à fond là, loin de là même. On va attendre. Là on peut casser ça ou pas? Oui, on peut, juste qu'on rentre en dedans. Voilà, on est tellement balèze que notre fermeture à éclair fait tout exploser. Ah, vous ne faites plus le malin, hein? Vous n'êtes pas à 3 contre 1. Bande de petits rats, bah... Mon petit rat. Ah, j'adore cette petite... cette petite réplique de John Travolta dans Terre Champ de Bataille, je crois, que je sais plus quoi. Un bon nanar dédié à la secte de la scientologie. Mon petit rat. Et pourquoi cet humain ne veut-il pas manger? Je lui donne à manger, un rat cru. Tu vas me donner le sac là, mon surbrillance? Non, il y en a qu'un que tu veux. Ah voilà. Merci mon petit rat. Donc, bouton droit, bouton gauche.
Ok. Ah bah voilà, c'est bien ça. Oh là, ça, visiblement, ça a attiré du monde, ma petite flèche. Ça fait du bruit. Allez, viens là. Voilà. Sans rameuter ton copain ou tes amis. Oh ouais, d'accord, il y avait du peuple là. Et le mec, il a fait les catacombes au-dessus de sa maison, en fait, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quand même vachement de superficie, hein. Oh, un coffre. Ouvre le... Oh, alors la merveilleuse, regardez-moi ça. J'aurais dû faire peut-être équiper avec un bouton X, je sais pas. Alors, ça me donne quoi? En force, 15 en armure. Youpi, nous voici prêts au combat. Ça serait bien que tu puisses sauter quand même. Mais en tout cas, c'est vraiment bien de jouer en fait en VR avec ça. Ou plutôt en 3D stéréoscopique, hein, si vous voulez. Parce qu'il y a des bœufs en fait qui arrivent. Moi, je peux pas, moi. Moi, je peux pas jouer, moi. Moi, il me faut les contrôleurs. C'est pas VR. Bah, voilà, alors. Je lui souhaite de s'ennuyer jusqu'à la fin de ses jours, parce que des jeux sur PC, il va pas en avoir beaucoup, hein. Dédié à la VR. De façon native. Salut, aventurier. Tu as donc décidé d'apprendre les secrets... Oh, ça y est, tiens. De la médecine. Voilà, une bien noble idée. Voilà, bah en fait voilà, il faut ramasser en fait des plantes et puis ensuite divers ingrédients et puis donc confectionner ou concocter en fait des potions. Ah bah c'est bien, grâce en fait à des formules que l'on trouve ici de là. Alors, durant votre périple, vous pourrez rencontrer certaines nanas qui pourront être soit en fait lâchés par vos adversaires ou bah, vous pourrez les acheter chez un vendeur. Ah oui, faites en sorte, bah, comme Pokémon, il faut toutes les collectionner. Hein. Voilà, bon bah c'est pareil encore. Oh, oh, vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas les ingrédients. Alors Réjuve, il me dit qu'il me faut... Bah attends, mais... Vous avez besoin de ça pour faire une potion de Réjuve. C'est quoi cette connerie? Alors donc il me faut un Yarrow. C'est quoi Yarrow? Faudrait que je vois la traduction. Oh, et des fioles vides, bien sûr. Ah non, ça me donne ça, j'espère. Parce que s'il me dit qu'il me faut ça pour faire ça, c'est la même chose. Ok, ça marche. On va essayer de trouver des yarrows. C'est quoi, c'est un oignon? Voilà. Oh! Qu'est-ce que c'est beau, ça? Ça, j'étais le fils de Sylvester Stallone, parce que je me rappelle plus, mais je crois qu'il a perdu un enfant il y a très longtemps. Et il me semble que c'était Sage. Ouais, mais faut arrêter, Pépé, là. Eh, oh. Alors donc nous allons left button, ouais bon bah on va faire du corps à corps alors. On va se soigner avec ton raccourci. Ça y est, t'es mort ou pas? Oui, j'ai l'impression, ok. Regardez-moi ça, du cuir de rat. Oh, un magnifique coffre. Une épée, enfin. Oh là, une vieille épée presque rouillée, mais non, elle est en fer et elle est pas rouillée, elle est juste ancienne. 2 de dégâts, et j'ai un scroll of cleave, cleave. Bah ça va m'enseigner cleave, bah ouais, right click to learn, right click.
Right click, c'est le right button ou le right trigger? Ah oui, d'accord, ça marche pas. Ah mais c'est la souris right click. Donc du coup c'est quoi? A? Je sais pas. X non plus. Ok. Donc on va voir comment on peut. Oh là là là, mais regardez-moi ça maintenant. Ah c'est un truc. Shield Ranger, Ranger c'est. Non, c'est même pas l'Arc Ranger. Ah mais c'est formidable. Bon allez, hop, voilà. Le bouclier en bois, il est où? Ici, mon petit repère. Et c'est ça en fait, je voudrais... Alors je vais faire X, action. Alors, Power Arrow, teaches you, ok. Damage a single target. Bon, en VR, en fait, il nous manque une partie de la fenêtre, là. Non, X, c'est pas le bon, donc A. Voilà, bon, on voit l'effet, en effet. Ok. C'est plus que visible. Alors, maintenant, hop. Non, je viens de faire une connerie. Donc ça, c'est taper. Ça, c'est ça. Et pareil, c'est quoi, alors? Ah, c'est ça. Et là, je fais plus de roulet-boulet, par contre. À moins que je donne une direction. Non, il peut plus faire de roulet. Ah si, il a fait un roulet-boulet avec... Non, A. A, roulet-boulet. Donc là, on a ça. Ouais. Et ça, ça fait pas grand-chose de plus, j'ai l'impression. C'est les deux mêmes, ok. X et Y, ça fait... Oh, bah on va casser les urnes. Et non, on peut pas. On peut les casser en les percutant. Ok. Et puis apparemment ça sert à rien. C'est un jeu qui est pas généreux en termes d'objets à découvrir. Oh. Dans de vieux objets ou dans des vieux contenants, des caisses ou des tonneaux, des barriques, ils s'en foutent, ils donnent rien. Tant que c'est pas signalé, ça n'a pas d'intérêt d'y aller. Ok. Allez. Bon bah voilà. Oui, il ne reste que le sous-sol, effectivement, de cette magnifique demeure. Le mec, il a bien bossé. Hein. Il a pas fait son blanc. Bon, ben voilà. Hop. On va récolter un petit caillou. On va faire les poches de Stono et on va arrêter là. Oh, ben regardez-moi ça. Une enclume. Et là, donc, avec une enclume, je peux faire de la... Voilà, du cuir tanné. D'accord. Super. Ah, j'ai cru que c'était une bête, c'était un lapin. Ok, je fais ça. Craft. Ah, mais c'est automatique. Ok, juste... J'appuie sur A, ça fait rien. X. X, ça fait que dalle. Faut que je passe à la souris ou quoi? Ah non, il me faut 5 cuir tanné pour faire en fait du cuir tanné. Ah! Alors pourquoi est-ce qu'il me propose de faire ça alors que je peux pas le faire quand je suis au niveau de l'enclume? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas effectivement le bon établi pour faire ça. Bon, bah voilà. Oh, un coffre. Transparent le coffre d'ailleurs. Ah, les trucs invisibles. Oh mon dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Ah, bah c'était DD. Ah, mais j'ai des sorts magiques du U, DU et DD. Qu'est-ce que c'est que ça? DU et DD. On va prendre notre... Ah non. Je ne peux pas changer d'arme, il faut que je passe là-dessus. Et apparemment, je peux avoir une attaque spéciale en DU. Voilà. Donc non, non, non. Ah, c'est ça. Vers le haut, alors. D'accord, il est en train de se recharger. Ok. D et DD. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, je vais aller vers le bas. Et ça fait ça. Ok. Allez, ramasse, accumule, collectionne. Ok.
Donc là, normalement, mon but dans la vie, c'était de trouver la tanière des sangliers. Ah, bonjour. Ah, mais il me faut un bouclier, monsieur. C'est bien gentil, en fait, de me sortir l'épée, mais... J'aimerais bien avoir le bouclier. J'ai pas l'impression qu'on puisse avoir une configuration. Ou peut-être qu'on peut faire ça avec les touches du clavier, mais ça a l'air d'être bien complexe. Alors, hop. Ouais, ça va vachement plus vite qu'avec l'arc quand même. Hein. Oh merde, je voulais ramasser encore la fiole. Il m'a remis là-dedans. Hein. Je m'en fiche, je veux sortir de là, moi. X ? Non, c'est les flèches. Flèche droite. Et non, pas flèche vers le haut. Ah, bonjour. Il est où, mon... Voilà, les boucliers, là. Ok. Donc ça, je peux pas, mais ça, c'est... Ah, voilà. Waouh, ce fut difficile de ramasser cette fiole sans rentrer dans la grotte. Attends, ça c'est avec le stick? Non? Ça? Et là avec le stick, je... Ouais, d'accord. Le stick gauche, bien évidemment. Si je ne précise pas, ça risque d'être délicat à la compréhension. Rengainer ma belle épée, et nous voici donc à la maison. Bouton droit, voilà. Par contre, il me fait manger aussi le pain. Je voulais juste qu'il fasse la pomme, mais il a décidé de tout prendre. Bon. Des melons, ça, ou les pastèques, il en veut pas. Là-dessus, elle est très variée, hein, parce que visiblement, ça l'intéresse pas. Bon, bah voilà. C'était donc Wing Moon, et c'est pas une mauvaise trouvaille. Je crois que ça m'a coûté 2€ et quelques. Très content. Bon. Est-ce que, en fait, je vais pouvoir sauvegarder, vu le temps que j'y ai passé? Save, et voilà, quittons UEVR RTX 4088, 5800X 3D, voilà. Hop.